Anéantie dans mon amour. 19 août 2010. De la part de Yahushua Mashiach, celui qu'on appelle Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. La parole du Seigneur délivrée à Timothy au cours d'une réunion en ligne entre frères, pour Jason, pour tous ceux présents à cette réunion et pour tous ceux qui ont des oreilles pour entendre. Jason a posé une question lors de cette réunion en ligne. Le Seigneur parle de lâcher prise, d'être brisé, d'abandonner. Comment faire? Comment devons-nous nous y prendre? Yahushua a répondu. Personne ne peut réussir sans commencer par abandonner. Quand on est complètement anéanti, peut-on avoir la victoire? Demande le Seigneur. Mon fils, par quel pouvoir Pierre a-t-il marché sur l'eau? Par quel moyen seras-tu anéanti? Réclame-moi et assurément je le ferai. De quelle façon un homme est-il détruit en moi? Réponds si tu le sais. Succombe, mon fils. Abandonne tout. Cesse de te cramponner à ce qui doit disparaître. Je suis suffisant. Qu'ai-je retenu dans ma passion? Réponds si tu peux. Bien-aimé, oh mes très chers fils, j'ai tout donné. Pour quelle raison ai-je permis la destruction de ma chair? Répondez, mes bien-aimés. J'ai été massacré en raison de mon amour pour vous. J'ai tout abandonné par amour pour vous. Je vous aime. Et pour cette seule raison, vous devez aussi être anéanti. Et pour cette seule raison, vous devez aussi tout abandonner. L'amour, mon amour, l'amour, la puissance de mon amour, la dévotion de votre cœur, votre désir le plus profond réalisé, la pleine prise de conscience de qui je suis, car mon cœur est un feu dévorant. Donc, quand vous prenez part d'avec moi pleinement, alors là seulement vous serez purifiés. Soyez désintégrés dans mon amour. Pleurez, gémissez, ne retenez plus. Je suis amoureux de vous. Êtes-vous amoureux de moi? Suis-je votre seule et unique passion dévorante? Votre cœur se consume-t-il dans votre poitrine lorsque mon nom est prononcé? Les larmes coulent-elles de votre visage lorsque vous considérez mon amour? Êtes-vous décomposé quand vous êtes séparé de moi? Savez-vous ce que je ressens? Mes fils, avez-vous réfléchi à ce que je ressens? Bien-aimés, je suis broyé quand mes bien-aimés s'éloignent de moi. Mon cœur est déchiré quand mes enfants m'oublient. Ma colère est suscitée et ma jalousie brûle comme un feu déchaîné lorsque mes bien-aimés sont entraînés loin de moi. Ne comprenez-vous pas comme vous m'émouvez? Vous êtes à moi. Faites que je sois à vous pareillement. Demandez,
car je le suis. Lâchez prise. Je suis suffisant, dit le Seigneur.